Et bonjour à tous, euh, bonjour à toutes, quelle gueule de merde! Et voilà, on est, on est jeudi, on est, euh, on est à 14h. J'espère que vous n'avez pas oublié, parce que c'est vrai que cette fois-ci, c'était un petit peu en mode euh, tranquillou-bilou. Mais ça tombe bien, parce que j'avais des trucs à faire en bubble, et je me suis dit pourquoi pas en profiter. Alors bougez pas, j'allume les petites lumières, hop, bam, dans la gueule, c'est bon, on est là. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Alors on va, on va inviter justement un petit peu la communauté, on va attendre que ça se rassemble un petit peu, histoire que ce soit un peu dans le délire. Alors bougez pas. Est-ce que c'est en train d'arriver Est-ce que ça a été annoncé déjà Voilà, c'est ça la grande question. C'est est-ce que ça se lance Est-ce que vous avez reçu la petite notification Attention. Ok. C'est en train d'arriver. Super. On va regarder un petit peu sur. Je vais relancer sur la communauté aussi parce que n'y <laughs> a pas de raison qu'on n'arrive pas sur le Twitch. Alors, bougez pas. Et aujourd'hui, je vous ai contacté je vous ai concocté pardon, une petite recette qui peut être pas mal. Alors bougez pas, je vais lancer l'annonce à tout le monde. Euh, bougez pas. Annonce, annonce, annonce. Hop. Euh, hop. Everyone. Et on vient de péter la barre des 1100, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, sur la communauté auto. Petite démo. Petite démo euh, d'un Yuka allergique. Yuka spécial allergie, spécial allergie, hop, sur le Twitch. Attendez, voilà, 1098 personnes exactement. Donc j'espère que ça vous plaira. Salut justement à tous. Ah, mais non, mais en fait, il y avait un. Hey! Mais. Me semble-t-il, effectivement, je l'avais pas vu, mais il y avait bien eu un no-code, no games. Ok, je suis totalement loupé. Désolé. Donc, j'espère que vous allez bien à ceux que j'avais pas vu juste avant. Et on va se mettre en mode, en mode bubble. Alors, je vais vous directement vous partager mon écran. Alors, bougez pas. Attendez, je veux un petit réglage quand même, histoire qu'on soit bien. Directement d'ailleurs, créer une nouvelle application. On va se mettre bien et je vais vous partager mon écran tout de suite. Salut Nicolas. Salut Timothée. Good morning, tu vois, c'est vrai que tu as, tu as autant de, tu as autant de <laughs> tout simplement. Euh, Bubble Editor, Food Scanner, voilà. Alors, bien entendu, je vous partage mon écran tout de suite. Et sachez une chose, attention. Voilà. Ah, on peut maintenant mettre des diapositives. Ça ne m'intéresse pas, mais bon, dans le doute. Euh, voilà. Donc, bien entendu, ici. Alors, ce que vous devez savoir déjà, une chose, c'est que je ne vais pas être sur le nouvel éditeur responsif. Pourquoi Parce que bah, je n'ai pas envie tout simplement de m'emmerder. Voilà, on va faire un truc un petit peu démar démarrage. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire un format mobile. Et donc, c'est là, on va pouvoir un peu s'amuser. Alors, bien entendu, vous connaissez le… Point... Un petit peu de la démo, je travaille sur des sujets où je vais pas expliquer toute la théorie. Le but est de faire plaisir. On va voir ce qui peut être intéressant ou pas sur ce qui va être présenté, notamment au niveau mobile. Et là, on va regarder aussi deux trois trucs que j'ai vu qui étaient intéressants, C'est notamment sur la partie mobile, euh, puisque je suis en train en ce moment de travailler là-dessus. N'oubliez pas pour ceux qui regardent, hop, je vous mets les petits liens qui défilent. décider directement là-dessus, salut Fred. Et en ce moment, on va regarder un peu ce qui est à faire du coup au niveau mobile. Alors, je vous rappelle une chose. Déjà, c'est que Bubble ne fait pas nativement du mobile. On va devoir avoir une petite adaptation. Alors, oubliez que cette option-là, native app, ça ne fonctionne pas, même malgré les choses. Et je vais quand même partir du principe que je ne vais pas faire une application avec un seul groupe. Je vais faire plusieurs pages, puisque des applications comme The BDK peuvent le comprendre quand même. Donc, on va peut-être se précipiter là-dessus. On ne va pas s'emmerder avec tout le reste. Ok, je vais juste enlever le petit bandeau qui va très rapidement me gêner et me gonfler simplement voilà donc déjà de base qu'on va faire c'est qu'on va régler son module directement sur une taille mobile la taille mobile ça correspond à 380 donc voilà on est sur quelque chose un cadre un peu un peu sympa euh, et vous voyez directement en cadre mobile quand je vais faire mon affichage on va directement faire un affichage avec l'inspecteur pour vous montrer un peu le résultat. Alors, bien entendu, il y a des choses que je vais vous montrer par téléphone. Euh, je vous montrerai peut-être ça comme ça, parce que l'idée, c'est de vous montrer un petit peu le résultat. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser deux choses. D'un côté, j'ai envie d'utiliser un, un, un barcode, donc un scanner de code bar. Et je vais voir aussi si j'ai pas des petits produits euh, qui peuvent être lus. Alors, peut-être chercher dans la, dans la cuisine là-bas. Vous allez voir que ça fonctionne bien. Et l'idée, c'est que euh, aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est pas nouveau, mais ma femme est allergique. Et en fait, elle est allergique. Alors, allergique de merde. C'est qu'elle est allergique à la. Salut, euh, Ragout. Elle est allergique à l'arachide, trace et présence. Elle est allergique euh, aux noix. Et euh, mon fils, Noah est allergique au lait et il est allergique à certains aliments, mais c'est très souvent des allergies croisées. On ne alter... va, dire... va pas dire intolérance ou allergie, je vais dire allergie pour tout le monde, hein, tout simplement. Et au final, euh, ma femme, vu qu'elle a lait, ne peut pas bouffer ni de lait, ni de noix, euh, ni certains aliments en plus. Enfin bref, il y a beaucoup d'allergènes, ni de fraises, par exemple. Euh, donc voilà, ça fait que ça limite pas mal. Et vu que l'allergie à l'arachide, euh, c'est une allergie qui est mortelle, on peut même pas faire de restaurant. Et donc, euh, tous les produits que je prends, dans les étiquettes, euh, voilà. par exemple, j'ai pris un boudoir, des boudoirs euh, périmés. Eh bien, si vous regardez bien, en fait, il y a les allergènes. Alors, là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On, va, on va regarder juste ça. Ici, en fait, c'est écrit là. Et en fait, ce qui est hyper pénible, c'est que euh, d'un côté, il y a, y a quelques standards, notamment. Euh, le fait que ce soit écrit un petit peu en gras, mais c'est toujours un peu compliqué de savoir à quel moment c'est allergique, c'est pas allergique. faut se taper tous les, les étiquetages. Et moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas Alors, bien entendu, c'est un projet, un projet test, mais pourquoi pas faire un scanner qui nous permette, à travers une application, vous allez voir que l'application, enfin euh, l'API Food fact vous permet de le faire. Pourquoi pas essayer de faire un système de scanner où on puisse avoir les produits en fonction de ses allergies et savoir s'il y en a à l'intérieur ou pas. Et c'est pour ça qu'on va partir sur ce type de projet. Alors. Déjà, première chose, on va vraiment tester le Proof of Concept. Proof of Concept, c'est quoi C'est déjà ce qu'il me faut, c'est un scanner et euh, l'idée de pouvoir avoir un lecteur qui va lire ce code barre. Et si on regarde un petit peu, le, 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 le scanner, c'est... Euh, alors, si on regarde les, les, les conventions barre code, euh, code barre convention, vous allez vous apercevoir que très rapidement, il y a certains, certaines normes alors bien entendu, <laughs> si je ne le mets pas au bon endroit, ça n'a pas marché. Excusez-moi, hop, voilà, ici. Et en fait, ça s'appelle un code EAN pour le format européen. Donc nous, ce que ça tombe bien, ce qu'on va chercher, c'est un format vraiment européen. Et pour le coup, on va chercher dans les plugins ce qu'on peut avoir avec Bubble qui peut être disponible. Alors déjà de base, dans les plugins, je vais aller chercher euh, code bar. Euh, on va chercher barcode, la forme anglais. Bien entendu, le système est toujours aussi rapide. Et ouais, je me suis mal pris parce que là, j'ai mal écrit. Alors, on va, on va le prendre comme ça. Voilà, barcode, voilà, barcode scanner. Alors, il y en a plusieurs. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui ne génère pas un code-barre. Attention, qui va juste servir de lecture. Il y a celui-là. Alors, celui-là, c'est celui, est celui que j'ai utilisé de base. Euh, il y en a des payants. Alors, pour l'instant, bien entendu, euh, mon but, c'est vraiment de pouvoir faire quelque chose de simple. Donc, on va prendre celui-là. Vous allez voir que des fois, alors, il marche très, très bien. Attention, il marche même un peu trop bien des fois. Vous allez voir que c'est un peu euh, des fois anarchique. Je vais regarder quand même par acquis de conscience. EAN, on ne sait jamais un lecteur, et si ça se trouve, si on trouve mieux, on le fera avec un, un autre chose qui est un petit peu mieux. e n n générateur, faut mettre à non. Donc voilà, on a à peu près ce truc-là, qui est un barcode scanner. Et vous voyez, le barcode scanner, il faut le lancer, parce que ça ne s'explique pas automatiquement. Donc déjà, de base, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer. Et on fera euh, l'emballage, le, 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 l'empaquetage un peu plus tard si j'avais bien une caméra, peut-être qu'on va faire une vidéo qui va devenir un tuto et on pourra le filmer tu sais, quand je vais tester dans les magasins, ça pas être rigolo donc il y a certaines options ici caméra type back, donc là ça va être le bas du téléphone, donc ça c'est parfait euh, patch size medium euh, alors ça correspond à quoi le patch size, density of search grid proportional to the size of the scan bar Voilà, je peux le laisser large parce que j'ai vraiment pas l'intérêt locate image, ouais, scan par seconde alors je vous conseille de mettre euh, un scan euh, un scan par seconde pour éviter d'avoir vraiment 15 000 trucs et ici je vais mettre EAN alors normalement le, la norme c'est EAN entre 8 et 13, là je l'ai mis comme ça c'est pas mal du tout et on va pouvoir commencer à faire la démonstration alors vous allez voir que ici si je lance comme ça il n'y a rien qui va s'afficher c'est parce que je dois le démarrer donc ici même si j'ai l'autorisation ça ne va pas s'afficher, il faut que je lance un workflow pour le faire et le workflow ça va être un euh, when euh, page is load donc quand la page se charge à ce moment-là, tu vas effectivement me lancer le barcode scanner. Et bien entendu, on va le faire, le, va le faire de base, on va aller lancer l'application directement sur mon téléphone. Donc je vais être sur foodscanner Io. Et voyez, voilà, là on voit le truc en fait. Euh, je ne sais même pas ce qu'il filme en fait. Bon, il filme une partie de la caméra. Au moins, vous le voyez, C'est pas très grave. Ici, euh, je vais le faire aussi sur ma caméra. Et on va regarder à quoi ça... À ça... Alors... Vous allez me dire peut-être qu'avec la caméra, voilà, on voit, on voit le doigt. Peut-être qu'on va le voir ici. Alors c'est marrant parce que on regarde une application qui filme mon écran, qui filme un autre truc. C'est un délire. Ah oh, cette galère. Putain de. Mais attendez, je sais même pas où. Voilà. Si, là. Culé. Vas-y, détecte-le là. Bon, il ne va pas le faire, mais sachez que si je le lance sur mon téléphone, il devrait arriver à le trouver. Alors, food. Putain, le... <laughs> Food. Euh, je l'ai mis comment Foodscanner.bubbleapps. Je vous le partagerai, c'est vous, mais ne le testez pas pour l'instant parce que je vais tellement faire de modifications que vous allez, vous allez ramer un petit peu. Bubbleapps.io. Bah, je veux bien, mais le truc c'est que il veut pas regarder. Oh, regarde, tu vois, là je suis en, je suis en scan. C'est juste que là il est putain de, de perdu, quoi. Ah si, c'est juste la lumière en fait, je pense. Yes. Donc là, vous voyez, il le voit, il le scanne pas encore. Donc là, je vais lancer un système pour le scanner. On va voir comment ça se passe. Alors, je vais le tester aussi hein, pour le coup euh, sur mon téléphone parce que je pense que c'est plus simple. Alors, bizarrement, j'ai meilleur résultat. Alors, euh, effectivement, alors attendez. Parce que je vais le mettre sur mon téléphone en même temps et on va voir ce que ça donne. Alors, si vous savez comment caler le, 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 le truc de mon téléphone euh, en, en vision, euh... le mec n'a rien préparé, en vision euh, sur mon ordinateur, comme ça, on peut voir sur mon téléphone la, la, la vision de ce qu'on a. Je suis preneur de, de vos retours. Hein. Parce que, fais voir si on, si on a... Ah oui, ah oui là, là on a de meilleurs résultats en fait. C'est dommage, on ne peut pas le voir. Je vais voir, je vais, je vais quand même... Euh... Attendez, attendez, c'est sûrement... Des cas. Si vous avez une information dans le chat, pour savoir comment je partage mon putain d'écran de téléphone, je suis très preneur. Sachez-le. Sachez que j'ai les câbles aussi pour le faire. Attends, je dois voir il va le caler hein, ce truc. Je vais essayer de le, le mettre euh, pour voir un peu. Je ne sais jamais. En partage d'écran, vous savez mais en tout cas, voilà, c'est totalement possible, sachez-le. Dire à son téléphone, voilà. Et euh, en attendant, ce que je vais faire, c'est que maintenant qu'on a la petite. Donc je vais enlever ma bannière, pardon. Maintenant qu'on a le système, on a effectivement un scan de code barre. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le rendre détectable. Donc déjà de base, ce qui se passe, c'est que là. J'ai un, scan, un, un scanner et ici, euh, j'ai une position qui va me permettre d'avoir un workflow. Quand le scanner a détecté quelque chose, il peut se passer euh, une information. Ici, j'ai trois informations, c'est « As data »,« Is saved » ou « Stopped ». Moi, je vais utiliser le « As data » et en fait, le but, c'est de voir quand ça a été rempli. Et quand c'est un « As data ben, », ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la valeur quelque part. Alors, avant de le faire en enregistrement, on va juste se fixer un input et on va voir ce que ça donne. Donc, déjà, le principe, c'est qu'on met un input classique. Et ici, je vais le faire remplir. Et pour ça, je peux utiliser directement et encore plus le barcode scanner. Donc, ça, c'est hyper pratique. C'est que je peux récupérer directement la valeur en temps réel. Et vous voyez, il peut me récupérer le barcode content. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, il peut me récupérer le code bar. Donc, bien entendu, ici, ça va être la galère de l'enfer. Je vais essayer de voir si on peut détecter la putain de caméra. Alors j'ai pas le numéro de mes caméras, putain c'est dommage j'aurais pu le faire en scan là, tu vois. Euh, Est-ce que je peux le faire là Vous croyez que je peux changer la caméra Alors ça c'est très très chiant parce que cette page a accès à votre caméra, mais je peux savoir... Let's View tu peux mais c'est complexe. Ah ouais, ouais mais non mais là putain ça va être un enfer. J'aurais bien aimé euh, avoir un partage quand même, putain ça aurait été cool. Est-ce que vous croyez que je peux le faire comme ça Ah Ah on va pouvoir faire quelque chose avec une caméra dégueulasse. Est-ce que est-ce que ça peut marcher Vous croyez Oui. Yes, 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 yes. Alors, oh, cette caméra, c'est la caméra d'enfer. Je vous jure quand j'aurai un nouveau Mac, vous aurez une caméra HD ici, je vous le promets. Mais attendant, on va pas l'avoir. Donc ici détection. Vous où, ce truc. Oui. OK. Ici alors, est-ce que vous faites qu'il y a assez de lumière Putain de caméra de merde. Voilà, on le voit. Et donc, effectivement, j'ai un code barre qui vient d'être scanné. Et j'ai un numéro EAN qui vient d'être récupéré. Donc, effectivement, bon, c'était un petit peu long. Attention, si euh, je vous mets un numéro où je peux faire 10 scans par seconde, on va se retrouver très vite avec. Euh, euh, vous allez voir en mode version tech. Tech en, en Techto euh, à fond, c'est-à-dire que là le truc il se met en mode euh, il balaye à fond et vous allez le voir, c'est hyper drôle à voir. Tu tu tu, tu, tu. Ouais, regarde, hop là, à mode Terminator. Bon euh, là clairement, euh, je pense que à part poncer de la rame pour rien, honnêtement on peut limiter le truc à un ou deux scans. À mon avis à un ou deux scans par seconde c'est largement suffisant. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller récupérer de la valeur. Donc maintenant que j'ai le code bar cette pratique, je vais, je vais aller un cran plus loin. Il y a une application, donc je l'ai fait pour un utilisateur qui, qui m'a demandé pour les bootcamps, c'est de chercher un système qui permet d'aller récupérer une API, et cette API, c'est FoodFact. Alors, FoodFact, ce, ce qui est hyper régulier, c'est... Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont une, API, une annonce Google AdWords, alors que pourtant c'est un truc totalement gratuit, alors ma foi, ne me demandez pas pourquoi. Mais en fait, cette API va récupérer plein, 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 plein de produits. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a plein de produits dessus. Donc, il y a plus de 100 produits par page, soit 8776 pages. Donc beaucoup, 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 beaucoup de produits. Je ne vais même pas calculer, je crois que c'est 857 000, 000 Ouais, bref. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont avoir les Nutri-Scores, ils vont avoir les scores écologiques. Il y a même des choses qui sont hyper intéressantes. Yuka se repose en partie sur cette application, mais ce n'est pas la seule. En fait, Yuka utilise d'autres API aussi. Et c'est hyper intéressant. Et ce qui se passe, c'est qu'on a la photo du produit. Donc, tu le boulot, il est incroyable. La photo du produit, son Nutri-Score, euh, le Nova. Alors là, on voit que la pâte à c'est un Nova c'est ultra transformé. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des scores en fait, qu'on n'a pas sur le produit forcément. Et il y a plein, plein, plein d'informations, non végétalien. Donc, on peut effectivement aller voir plein de trucs. Putain, le truc, c'est pire qu'un appartement. Et il euh, y a ces repères-là aussi. Alors, moi, je me suis amusé à le faire que sur très peu d'informations. Tous les produits n'ont pas autant d'informations. D'accord Donc, moi, les, les boudoirs que j'ai, vous allez voir, il y en a un peu moins. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on a à la fois. Putain, mais les mecs, ils sont tous scannés. Ouais, c'est dingue. Euh... Et d'ailleurs, est-ce qu'ils ont une application et Effectivement, ils ont sûrement une application aussi. Open Food Fact, scan de produits. Et effectivement, vous allez voir des choses. Sauf que moi, effectivement, je n'ai pas toutes les informations qui me servent. Alors, voilà, plutôt que d'aller sur UK, vous pouvez directement aller sur Open Food Fact, comme quoi. Euh, ça peut être aussi intéressant. La seule chose, moi, qui me manquait par rapport à ça, c'est que les allergènes, bah, c'est un petit peu la merde parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il en est. Et donc, je suis allé euh, réserver directement sur l'application et voir ce qui était sur Bubble. Et effectivement, il y a une application qui s'appelle Open Food Fact directement sur Bubble. Alors, on va aller chercher dans ces plugins. Du coup, je n'ai plus besoin de l'application, hein, j'ai besoin de téléphone. Open. C'est loin. Hein. Open, Open Weather, Open, 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 Open. Je, je vais aller sur Open Direct. Bitcoin, sache-le. Open AI, oh Mais c'est Open c'est cool. Euh, open Food Fact. Alors, merci, Digital Engine. Alors, ils sont français en plus. Et donc, on peut utiliser ça directement pour utiliser ben, l'API d'Open Food Fact. Et vous allez voir que c'est straight par pratique. Alors, je n'ai même pas rentré. Euh... Je crois que j'ai même pas. Est-ce que j'ai rentré une clé sur le précédent? Je ne crois même pas. Hein. Je crois même pas. Je vais, je vais quand même vérifier. Je vais dire des, pas de bêtises. Je crois que j'ai juste rentré le nom de l'app. Et normalement, c'est largement suffisant pour se lancer. Je vais vous confirmer ça. Je n'ai même pas rentré. Et vous voyez, il y a deux éléments. Il y a un data calls et une action. Donc, moi, je vais me servir, bien entendu, du Data Calls qui va me permettre de récupérer de la valeur. Et cette valeur, je vais la récupérer depuis l'input. Donc, on va regarder juste ensemble. Je vais regarder juste. Ne euh, pas me tromper. Voilà. Et on va aller directement sur l'application. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement récupérer une valeur et je vais lancer un groupe. Et ce groupe-là, à partir de la valeur que j'ai ici, va me retourner un élément, euh, une data. Et vous allez voir que l'API, je vous l'ai montré, elle est extrêmement euh, fournie au niveau des résultats de, de l'API de Google API, enfin de la de API Food Fact, mais que dans les éléments, il y a aussi pas mal de choses. Donc ici. Je vais aller get data from an external API. Ici, je vais récupérer le OpenFookStack get product, le barcode. J'ai juste à récupérer finalement le barcode scanner. Donc soit je le récupère directement depuis l'input, soit je peux le récupérer depuis le barcode content. Ici, ça fonctionne bien. Et à partir de là, hop, je vais aller pouvoir récupérer tout ce que je veux en termes de data. Je vérifie juste, comme je disais tout à l'heure, la partie plugin. Est-ce que j'ai rentré un truc barcode scanner On s'en fout. Ouais, non, en fait, non. je n'ai pas besoin de récupérer. Alors, je vais juste rentrer la valeur de mon application dans le doute. Mais je crois même pas que ce soit utile en vrai. Hein. App URL, voilà. App name, food scanner. Dans le doute. Mais en soi, je pense pas que ce soit très utile. Donc voilà. Là, j'ai une valeur. Et ici, je vais aller directement rentrer des éléments que je veux. Alors, déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais récupérer une image. Ouais, c'est classique, hein. Ici, voilà. Cette image, ça va être. Alors, ils ont. Tu es sérieux là Ah ouais, d'accord, le truc a déconné de ouf. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais aller directement récupérer la valeur. Alors, sachez que la valeur, en soit elle est un tout petit peu relou à retrouver. Parce que, parent group get product. Et là, on va chercher. Alors, il y a du français, de l'anglais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je crois que c'est un FUMB sur une image, une image nutrition. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir sûrement retrouver le NutriScore aussi. Euh, image front, ingrédients. Parce qu'il y a aussi des, des images, voilà, FUM URL, donc valeur. Et je vais essayer aussi de récupérer le NutriScore parce que le NutriScore, je sais es pas complètement sûr je crois que c'est une forme de valeur hein. enfin, je crois que c'est une forme qui est directe hop c'est pas le produit culpabilisant du tout alors on va regarder le nutri score qu'est ce que ça donne et on va voir ce que ça, ce que, comment ça passe nutrition score no vegetable nuts le fruit nutri score nutrition Question Fumb URL. Est-ce que euh, on a le, le la, la, la donnée sous une forme d'image, ouais? Je vais voir si on a un FUM que ça donne. Fum URL, je vais voir. Je sais pas si le Nutri score, hein, on, va, on va vérifier les deux de toute façon. Et là, testons-le ensemble. Est-ce que les boudoirs, c'est quelque chose de bien Ou c'est de la merde, hein, tout simplement Alors, moi, je, personnellement, je pense que j'ai déjà ma réponse. Mais au moins, on le saura. Alors, on scanne, on attend. Olé Ah, voilà. Ça y est, j'ai déjà mon étiquette. Ah, attendez. Putain, vous savez quoi Il me récupère exactement le, le truc que j'ai là. Alors, c'est dégueulasse hein, comme image. Alors, oui, c'est un FUM, donc l'image est vraiment dégueulasse. Je n'ai pas, pas regardé exactement tout le détail de ce qu'il y avait. Alors, je pense que je peux avoir une meilleure image hein, en vrai, parce que je suis sur un FUM, donc je peux avoir euh, euh, une FUM. Je sais que je peux avoir des images qui soient plus jolies que ça. Je voudrais juste trouver. C'est juste que j'ai de... un doute sur la size, et je sais qu'on ne peut pas avoir toutes les sizes. Pardon. Je n'ai pas de documentation. C'est hyper compliqué. White Magic, Image Size, 400, 100 s'en fout. Image, Angle, Normalize, Image ID. Full, full, full. Uploader. Oui, Image, ouais, je vais prendre l'image 1 hein, en fait. Hein. Image Size. Full whiz. On va prendre comme ça, on va voir ce que ça donne. Et à côté, je vais commencer aussi à vous montrer, bon, bien entendu, ça, c'est intéressant. Je vais, je vais mettre tout le long de la page, en fait, hein, parce que là, je pense qu'on a, on a de quoi faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à regarder les ingrédients. Alors, bon, ça, on peut le garder pour après. Par contre, quand on regarde, on va regarder Ingrédients, et vous allez voir que vous avez ingrédient de texte Et ça, c'est hyper intéressant parce que justement... I... Voilà, je vais le caler comme ça. On va voir ce que ça donne. Je ne sais même pas en fait si les, les, les produits que je vais vous montrer ont une gale, euh, ou pas. Qu'est-ce qu'on s'éclate avec des boudoirs aujourd'hui Ah, ça va être un petit clone, hein, je vous préviens. C'est hein, un petit truc. Hein. Ouais, si je ne suis pas en face, par contre, ça ne le fait pas. Il faut vraiment faire gaffe à ça. Hein, le moindre chiffre. Alors là oui il n'a pas chopé le code barre en entier. Voilà. Ça je l'ai. Je pense qu'il charge. Non. Ça se finit par 325.6. Ah, là il l'a pas. Alors on va le retenter. Alors c'est bizarre. Je vais le retenter. Je pense que ça déconne là. On me voit sur cette image, c'est valorisant au possible. Alors moi, c'est en train de charger. 3, 256, 220, 210, 102. Donc là, c'est bon. Donc je pense qu'il y a un problème quelque part parce que la donnée que je récupère n'est pas n'est plus bonne. Hum, donc là, la full size, vous voyez, c'est ça qui est très très chiant. Euh, Est-ce que j'ai un truc qui déconne ou quoi Alors, je vais peut-être récupérer la valeur qui est dans l'input pour voir. Parce que là, j'ai je vais récupérer... Voilà, la full size, elle ne veut pas. Je sais que la fumb, elle a, elle a forcément, il y aura une valeur. match font fumb URL. Je vais la récupérer comme ça par contre j'ai pas les ingrédients et ça c'est plutôt bizarre ingrédients texte fr normalement ça il est censé les récupérer donc qu'est ce qui a déconné on va voir je vais regarder aussi normalement c'est censé marcher Un grain texte FR, ouais, ça marche aussi. Donc, je vais voir pourquoi ça déconne Est-ce que c'est la pieille qui déconne là tout de suite Ah, putain. Tu vois, il... 10.102. Il charge pas. Alors c'est ça qui est bizarre, c'est que je sais pas pourquoi. Je vais voir sur mon application. Est-ce que ça déconne ou pas Alors la, la... putain, c'est pas vrai. Je vais voir un truc. Alors je comprends pas pourquoi d'un coup mon système a arrêté de fonctionner. Est-ce que j'ai été déban Est-ce que j'ai été ban du truc On va voir. Parce hmm. que j'ai une deuxième démo à côté avec justement une autre version. Et cette autre version, normalement, fonctionne, c'est sûr. Il y a beaucoup de scans par seconde là. Non, là, ça fonctionne. Alors, pourquoi l'application ne fonctionne pas Alors, là, pour le coup, je suis sur un cas d'école. Alors, je ne sais pas pourquoi mon application se met à déconner d'un coup. Je la retente. Peut-être que c'est le scan. Alors, on va vérifier ce qui se passe. Pourquoi ça d'un coup déconne à nouveau Ok, barscode scanner. Voyons voir ce qui se passe. Ici, ça c'est bon. Foot scanner, j'ai le bon nom. Et je récupère plus de valeur. Open food pack, get c'est bon ici la valeur que je récupère c'est une valeur input bar scanner value. Mmh. Je vais récupérer à nouveau le barcode scanner barcode content et là on va voir ce que ça donne. Mais normalement c'est censé charger et là je ne comprends pas pourquoi ça ne charge plus. On va voir Product Image, Nova Group, Store Stag, Store. Et vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de code. On va juste prendre le, le code du produit, on va voir ce qui se passe. Et je vais faire la suite de l'application après. Allez Ah putain Je crois que je sais pourquoi. Alors, ce qui est hyper relou, c'est qu'en fait... J'ai pas assez de lumière dans mon bureau. Ça y est il recommence, ça y est, il me le trouve bien. Ouf. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un bug d'application. Ça y est, il me retrouve les boudoirs. Alors, je n'ai pas toutes les informations. Le seul truc qui est vraiment chiant avec ça, c'est que là, logiquement, si je mets ingrédient, vous allez voir, on va voir ce qu'on regarde avec l'ingrédient, c'est que des fois, ça peut déconner et vous n'avez pas forcément pourquoi l'information de pourquoi ça déconne ou pas. Ingrédient texte FR. On va le faire comme ça. On va le recharger, on va voir ce que ça donne. Ici. Et maintenant, on va voir comment faire des allergies. Putain, demi-heure pour mettre ça. Hop. Putain, mais chope-moi le truc. Je ne vais pas comme ça, mais c'est hyper lent en fait. Deux... Ah, putain, il l'avait. Donc, attention, bien entendu, hein, si votre caméra, elle est, elle est relou. Voilà. Là, je l'ai, ça y est, à nouveau. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'effectivement, mes ingrédients ne sont pas récupérés. Et donc, ça, ça va être un petit peu chiant parce que bah, certaines fois, sans qu'on sache vraiment totalement pourquoi. Alors, j'ai peut-être avoir un workflow qui, qui est descendu, mais mon, mon élément n'est pas totalement récupéré. Pourtant, j'ai la bonne valeur. C'est-à-dire que j'ai ici, je peux avoir le product name. Et je peux avoir, normalement le produit ingrédient text.fr. Et normalement, il est censé me récupérer la bonne valeur. Sauf que je ne sais pas pourquoi, là, je n'ai pas la bonne valeur qui récupère au niveau des ingrédients. C'est comme si mon élément, ici, bah, ne reprenait pas... Le... Ah, je suis, deb, je suis débile. Excusez-moi. Hop, on va reprendre la valeur. Je suis con, c'était une image. Vous ne pouvez pas récupérer grand-chose. On va le refaire comme ça. Ici, je descends ça. Ici, je reprends par un groupe Open Food Fact. Ici, on va choper les ingrédients. Excès, Voilà, comme quoi, hein, si vous faites tomber d'un champ, ça peut être fatal. Je le relance. Et vous allez voir qu'ici, il va se passer un truc cool c'est que je vais récupérer tous les ingrédients. Je peux les récupérer en plusieurs langues. Hein. Allez, 3 heures. Hop! Allez. OK. Voilà. Là, j'ai les bien, bons ingrédients. Maintenant, on a protéines de lait, etc. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir récupérer la liste des allergènes à partir de ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer cette valeur-là. Donc, ce groupe-là. Et je vais le descendre un petit peu et je vais en créer un bloc pour justement en faire un système avec des allergies. Alors, bien entendu, je vais, pas, je vais faire un truc assez simple ici. Je descends descendre mon bloc et je vais faire en sorte d'avoir un drop-down. Et je vais aller dire, je choisis mes allergies. Donc, bien entendu, ça, je n'en ai pas vraiment besoin. Ça, c'est pour m'aider à me détecter les éléments et si la personne a du mal à se retrouver dans le code barre. Mais bon, voilà, en soi, c'est plus une, une... une... une protection qu'autre chose, une sécurité. Ici, par contre, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais pouvoir récupérer des valeurs. Et là, ces valeurs-là, je vais directement les intégrer au niveau de mes... Euh, au niveau de mes options set, c'est-à-dire que je vais créer une valeur allergène. Alors, il y a deux solutions. Là, je peux le faire sous forme d'un drop-down. Et si je veux être un peu plus euh, secure, je peux utiliser même des multivaleurs. Mais pour l'instant, restons simple. C'est le but de ce MVP. Je vais créer une valeur drop-down avec à chaque fois les valeurs des éléments que je vais rechercher. Donc, je vais rechercher les. Alors, ça aussi, ça va être attention, est-ce qu'il y a de la caractère casse ou pas Ça, il faudra toujours faire gaffe. Les. Noix. Je vais mettre tout en minuscule pour que ce soit correctement détecté. En fait, si on regarde bien les allergènes, est-ce qu'il y a un minuscule ou pas Non, c'est un minuscule. Donc je vais mettre en minuscule aussi. Alors, ces chances c'est du caractère, hein, mais ça veut dire que là, il faudra qu'il détecte les bons éléments. Noix, euh, arachide. Euh, les noix arachides, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Gluten. Voilà. Et ça, en fait, ça va être mon élément. Donc, je vais utiliser la dynamic option, dynamic choice. Et à partir de là, je vais choisir directement au niveau de mon... Get an option qui va me permettre d'appeler des options set. Je vais choisir mon option set all option avec tous mes éléments, c'est-à-dire mes options en fonction des allergies. Et là, je vais aller choisir dans mon option caption les visuels, donc les textes de ces allergies. Et apparemment, euh, ça va me permettre beaucoup plus facilement d'aller choisir une allergie, choisir allergène. Une fois que je suis ici, je vais utiliser un shoot note game qui pour avoir toujours une valeur à l'intérieur. Et ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le comparer à la valeur dont j'aurai les ingrédients. Alors bien entendu, si je n'ai pas de valeur là, ça ne va rien changer. Mais ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir une conditionnelle qui va me permettre de rajouter ce paramètre-là en plus. Alors soit, ce que je vais faire, c'est que je peux rajouter un groupe ici qui va m'ajouter une alerte. Et c'est peut-être plus joli comme ça. Et je vais ajouter une alerte juste ici. Alors je vais l'agrandir comme ça, ce sera un peu plus visuel. Et je vais faire une alerte en mode warning. Et je vais dire en gros attention ce produit contient de ça du gluten, du sucre du arachide. Voilà, bon, on va mettre comme ça. Hein. Ah, merde, attention ce ce produit contient du. Voilà. Et ici, je vais rajouter la valeur en question de l'option set qui a été trouvée. Et donc, ça veut dire quoi C'est que si ici, si, j'ai un allergène et que ça le trouve ici, je vais lui dire d'afficher cette alerte. Donc ici on va mettre l'allergène ici, ça on va le mettre en alerte warning. Et je vais le mettre en allergie, je vais le mettre en mode un peu joli. Ici, on va le mettre en on va le mettre en center, pas besoin. Et ce qui va se passer, c'est en gros Alors, je peux faire une détection hein, automatique. Donc en gros, start euh, voilà, quand ça se connaît quelque chose, quand effectivement donc, on va aller faire une détection. Pour le coup, ce que je vais faire, c'est. Euh, alors, je peux le faire toutes les 5 secondes ou je peux le faire quand une condition est true. Personnellement, je vais le faire quand une condition is true, est true, c'est-à-dire que quand un, le système a détecté un code barre et a lu les ingrédients, c'est quand le. Euh, donc, c'est quand le data code déjà a fait une sélection. Donc, barcode code scanner. Uh, is not empty is not empty donc là dès qu'il y a une détection du truc et à l'intérieur donc on va lancer le workflow c'est affiche l'alerte l'alerte c'est l'alerte qu'on a détectée ici c'est à dire euh, voilà attention ce produit contient de l'arachide je vais le mettre pendant 5 secondes euh, uniquement quand le alors on va aller récupérer la, la valeur. GetData OpenFoodFact. Fact. Alors je vais récupérer le barcode, etc. Vous n'avez pas besoin de regarder les paramètres. là, hein, c'est en cas de langage, donc les CC et les LC c'est en cas de langage, ça on s'en fout. Euh, quand un peu de barcode, euh, barcode scanner, value, donc barcode content, ingrédient, text fr. contains. Dropdown, choisir allergène, value. Alors là, vous allez me dire, le problème, c'est que là, si le système, le dropdown n'est pas rempli, l'allergène n'est pas rempli, à ce moment-là, ça va déconner. Donc, pensez bien à faire une alerte qui fait que, effectivement, s'il n'y a pas l'allergène choisi, bah, ça peut bloquer le système. Vous euh, voyez, choisir un allergène, ça peut être quelque chose de bien obligatoire. Après, on va le tester juste comme ça, histoire de voir. Donc, ici. Et en cas, ce qu'on peut faire aussi, c'est que. Parce qu'on a choisi un allergène tout en haut, que ça active le, 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 le barcode. Hein. ça peut être aussi une solution. Je l'ai fait comme, j'ai fait un peu différemment de la dernière fois, mais ça fonctionne. Ici, voilà, je recharge, je choisis mon allergène, je vais prendre le lait. Alors. Euh... Alors là, c'est un peu mon problème. C'est est-ce qu'il a détecté Alors c'est pas écrit en majuscule. Là, ça peut être un peu chiant. Est-ce que est-ce que tous le font Est-ce qu'il met tous Ah bon, j'ai pas. J'achète un autre produit parce que j'ai un doute. Pourquoi C'est est-ce qu'il met tout en majuscule Dans ces cas-là, il faut que je change ma formule. Alors, sachez que je me donne du mal, je viens de choper un autre, un autre paquet. Alors, par contre, c'est un, un petit petit code barre ça. Hein Merde. Alors, ce qui est chiant, c'est que… Ouais. Ah, voilà. 5,41, 23, 44, ça finit par… Ah, oh, merde. Alors, attendez, je vais juste faire un truc. Je vais juste toujours me fixer par rapport à cet input. Comme ça, je pourrais le modifier. Sinon, ça va être hyper chiant. Je veux savoir en fait si euh, la valeur correspond, c'est une valeur qui correspond à l'input, voilà. Donc ici, c'est quand pas le barcode, hein, pour le coup, c'est l'input oh, value ici. Et euh, dit, voilà. On va le faire comme ça. State barcode, voilà. Show message when open food fact. Que vous entendez claquer, c'est parce qu'il y, y a du vent. Ouais. Et ici, on va récupérer la valeur qui est chopée de l'input. OK. Value. Et ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas le foutre en placeholder parce que c'est très chiant. Je vais le mettre en initié de content, copy expression, paste expression. Et là, comme ça, on pourra le tester, on pourra modifier le chiffre parce que je ne vais, je vais, je vais pas m'amuser à tous les faire, je vous avouerai. C'est hyper relou en fait. Hein. Bon, on était bien quand le truc se fait un scan. Ah oui, je vais faire un scan, je vais en mettre 5 par seconde parce que c'est relou, il n'y en a pas assez. Et le problème, c'est que la caméra, en fait, pourquoi c'est aussi long Pour ceux qui se demandent, c'est qu'en fait, la caméra du, de, du Mac est beaucoup moins puissante caméra de téléphone. Les caméras de téléphone sont beaucoup plus rapides, vous ne voyez pas, mais en téléphone, je mets trois fois moins de temps. Et donc là, je suis obligé de bien centrer le truc, la caméra elle est floue. En plus, je choisis un pot que j'ai déjà consommé, donc j'ai un peu de trucs dessus, un peu gras. Donc la caméra, la caméra, elle est à païenne là. Voilà. Hop. Et vous voyez, là, il finit par 14, ça y est. Donc 541 23 44 23 44 22 04 14 donc là c'est pas bon ah merde c'est pas bon ah, il m'a manqué un chiffre. 44 ah oui il est pas bon avec ce type de code barre 44 98 wow. Donc c'est de l'OCR hein, 98 Je vais mettre à la main s'en fout 98 50 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, il me manque un chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et il me manque un chiffre. Qu'est-ce que j'ai loupé 54, 123, 44. Pourquoi Est-ce qu'il me le détecte Ah Il me le détecte par contre, vous voyez, dans ce cas-là, ce qui est chiant, c'est qu'ils ne, ne me rendent pas les ingrédients. Tous les aliments ne sont pas forcément tous remplis. D'ailleurs, si je vais sur le Food Fact, est-ce que je peux chercher un produit Voilà, Tikka Avec un S, Masala. Eh bien, je ne savais pas qu'il y avait autant de produits. Bah, C'est ce que je cherche. Ah oui, 24 produits par page. Je vais ça, ça s'appelle comment Ça s'appelle Pure. Attends. C'est quoi cette marque à la con là C'est Pure Mais ça, mon ordi rame tellement du cul quand je suis en double écran comme ça. Non, je ne je l'ai pas, pas la marque comme ça. Mais en tout cas, effectivement, j'ai les produits, donc euh, j'ai le reste. Mais en tout cas, je n'ai pas les ingrédients sur celui-là. Donc malheureusement, je ne peux pas faire le test. Il faudrait que je trouve un autre. Tenez. Tiens, voir si ça, ça passe. Et forcément faut que je la recanne. <laughs> Normalement on devrait boire les ingrédients. Hein. Pourquoi j'ai plus les ingrédients là Oui, c'est ça qui est hyper pénible. En fait, je n'ai pas la valeur de tout, donc du coup, il y a certains trucs que je ne peux pas récupérer. Et du coup, là, je ne peux pas savoir en fonction de ce que je vais avoir, mon, mon code barre ne pourra pas tout le temps, tout le temps marcher. C'est plutôt hyper relou. Est-ce que si je l'ai en FR, si je ne le mets pas en FR, je pourrais avoir le texte. Mais là, pour le coup, ça va être un peu chiant parce que en fonction de ça, un rayon de texte, juste comme ça. Tu me diras aussi c'est de l'eau hein, d'un côté. Franchement. Il y a de l'ingrédient, de il des ingrédients sur l'eau. Peut-être. Ah, il a chier. Et ça me perturbe. Hein. Je comprends pas pourquoi j'ai plus d'ingrédients d'un coup. Hein. Ouais, j'ai pas tous les ingrédients d'un coup. Et pourtant, là, ici, j'ai des ingrédients quand même. Je vais finir par trouver un ingrédient, hein. je vous le jure. Maintenant, tentons avec... Le couscous, le couscous, c'est parti. Putain mais le mec, si vous arrivez sur cette chaîne Twitch, vous dites mais qu'est-ce que le mec fou Ce mec est fou complètement. Eh bien sachez que je tente désespérément. Putain de code barre. Et vous foutez plus la gueule des caissières, franchement. Il y, y a vraiment, c'est un délire. Hein. Je vais le taper à la main. Je vais le taper à la main, ça m'énerve. Hop, 3000. Et oui, bon, c'est l'inconvénient des, 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 des trucs payants, hein, des, des trucs gratuits, hein, c'est que ça marche forcément moins bien. 36009-002-0002-60, pas du tout, 021-000. Je ne pas tout le bon nombre de chiffres là. 36, 0, 0, c'est bon. 9, 0, 0, 0, 2, 0. Non. 10, 50. Est-ce que ça marche Et vous voyez, là, le problème, c'est que là, c'est encore écrit autrement. C'est encore écrit autrement. Ouais, on dirait, une... ouais, ouais, c'est un enfer parce que c'est mon truc qui lag, like, parce qu'en plus je suis en partage d'écran, donc c'est un bon. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de normes sur les écritures. Et là, c'est ça le truc, c'est que je vais devoir faire gaffe. Alors, ça, je n'ai pas... pas regardé comment le régler, c'est de savoir la détection, comment elle se faisait. Est-ce que j'ai une détection qui peut se faire directement sur ma, sur ma partie texte euh... Et dans ces cas-là, est-ce que j'ai une remontée ici Si je mets gluten, par exemple. Donc, voilà, là, je n'ai pas d'information parce qu'il ne repère pas qu'il y a le mot gluten dedans. Pourtant, je l'ai. Attends, fais voir. voir. Ah, mais oui, c'est que le, le, le barcode est scanné. Alors, je vais faire en direct. On va pas s'emmerder. Ici, je ne vais pas faire une détection. Je vais le mettre si parent de groupe, euh, celui-là, là. là. Bah, tu sais quoi genre Ici, encore mieux. Je ne me m'emmerde même pas, tu vois. C'est juste le texte. Si texte groupe voilà, ingrédient texte, contain, drop-down, value, display. Alors, texte, attention, cet aliment contient du drop-down value. Un référentiel sur le site. Alors, tu parles de quoi De ce de ce site-là Tu parles de quoi de ça Parce que j'ai cherché un référentiel. Alors, j'ai cherché dans l'API, en fait. Donc, quand je suis en mode, j'ai l'ordinateur qui rame. Je suis désolé, je sais pas pourquoi, mais ça rame de ouf. Donc ici, parce que sur l'API, j'ai cherché, j'ai pas d'information précise. Ah, tu veux l'export Ouais, ok, je vois. En fait, ce que tu veux faire, c'est l'Excel en mode. Euh... Parce que je sais que tu as les ingrédients, mais après, tu n'as pas les noms en anglais. Ouais, toi, ce que tu veux faire, c'est ça, en fait. Télécharger. Ouais, ça. ouais, heureusement. Produit le plus scanné. Ouais, on va, on va regarder ça. Tu as raison, on, on va faire la valeur. Télécharge en Excel, c'est pas grave, c'est juste pour avoir le nom des catégories en fait. Mmh. Ah, attends, les informations, c'est différents schémas de colonnes. Ah, voilà. Catégorie, catégorie tags, origine. Et c'est marrant parce que sur l'API, je n'ai pas les mêmes informations, tu vois. Pourtant, là, je les catégories. Tous les codes, ça c'est for French. Ah, c'est intéressant. Vas-y, fais voir ce que ça donne là. Si je rafraîchis. Ah. Voilà, là il le détecte correctement. Donc effectivement, alors tout à l'heure en fait j'ai pas dû avoir l'alerte, mais effectivement là il le détecte bien. Par contre si je suis là avec les et que je scanne le boudoir, je pense, j'ai un doute sur le fait qu'il le voit. Alors c'est chiant parce que. Euh, j'ai l'impression qu'il vide pas méchant en fait. C'est un peu ouais, ouais, C'est juste pour savoir en fait. Mais ce qui est chiant, c'est que j'ai l'impression qu'il fait pas. Il faut que je reload à chaque fois. Donc when euh, value not empty, euh... on va le changer ça. On va le changer. À mettre un bouton de refresh. Normalement, il est censé refresh à chaque fois. Je sais pas pourquoi il s'arrête en fait. Initial content. À moins que je le fasse en asdata. Comme ça, on ne s'emmerde pas. Regardez bien. Je le display. Euh... Ouais. Euh, comment je pourrais le foutre dedans Parce qu'en fait, moi, euh... ouais, il récupère directement dedans. Donc, en fait, à chaque fois, dès que je le clean, c'est qui le bon. je recharge la page, mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Je voulais qu'il le redétecte à chaque fois et pas qu'il se fixe sur un produit. Ouais, mais c'est plus dynamique. C'est pas grave. Ah, bah, il l'a bien chopé, lui. Il a chopé direct. Ah, voilà. Attention, cet aliment contient du. Non. Non. Et là, il ne le détecte pas. Il ne le détecte pas parce qu'il n'est pas sensible à la case. Donc, il faudrait effectivement faire gaffe à savoir si je mets effectivement une sensibilité à la casse ou pas pour qu'on puisse détecter ces mêmes trucs là. Ce qui est hyper chiant dans ce genre de cas, c'est qu'effectivement je ne peux pas indiquer quand mon élément ou pas va me permettre de savoir euh, le display, parce que le display je suis plus dans un truc texte. Il hum, 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 faudrait que je traduise ce truc-là. Display. Et là, je ne peux plus le faire. Donc voilà, il faudrait que je travaille sur le texte. Alors, bien entendu, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Là, c'était juste pour vous montrer un petit exemple, mais c'est plutôt cool. À ce propos, très intéressant d'ailleurs, et ça, ce serait un petit peu le sujet de la prochaine fois. Il y a un gros sujet sur les applications en ce mobile en ce moment. Pour ceux qui auraient loupé l'info, il y a Zéro Code qui a sorti un système. Alors. Avant, ils avaient un autre système. Euh, J'ai commencé à avoir plein de produits sur ma table, ça n'est n'importe quoi. Avant, il y avait un autre système qui était cool. C'était la partie euh, avec Zero Code, c'est-à-dire que vous pouviez demander à Zero Code, comme avec d'autres éditeurs, de vous diffuser l'application native. Jusque-là, c'était un petit peu le grand classique. Et en gros, vous envoyez l'application, ils vous la configurent, ils vous l'envoient et vous payez 500 balles, voire même un peu plus. Maintenant, ils ont changé de système et ils vous permettent, à partir de ça, de faire une solution avec un plugin et deux choses qui sont très intéressantes. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire. Si quelqu'un dans ce forum, dans ce, dans ce chat a vu déjà l'utilisation, je suis très curieux. ouais Avant, c'était à peu près euh, 500, un peu plus, 1000, même un peu plus. Maintenant, ils ont fait un système à 300 dollars. Mais par contre, ils ont cette option-là. Cette option-là, je ne la comprends pas. En gros, App Store et Google Play Publishing. cest à dire qu'ils le diffusent pour vous ou parce que là, les builds en fait ils sont à 200 dollars, 300 dollars, c'est ça que je comprends pas. Et donc, ils vous proposent effectivement, et dans la documentation, c'est un peu obscur c'est de vous proposer le système effectivement avec euh, un IPA creation for iOS, le test flight, la préparation pour les key stores avec les certificats et provisioning profil. Ok, compilation and submission, the boss app store. Donc, en fait, c'est eux qui le font. Apparemment, Full Service Publishing and submission Service, including Metadata, Screenshot, etc. Mm, ok, c'est-à-dire qu'ils le font pour vous, en fait, le service, c'est qu'ils le font pour vous, sinon le reste, vous vous démerdez. Si, si le reste, on se démerde à 300 balles, c'est honnête, parce qu'il faut compter iOS, euh, c'est 99 balles le compte développeur, et Android, le compte développeur aussi, c'est 25 dollars. Une fois qu'on a ça, on fait la demande. Apparemment, je pense qu'il y a différentes informations à remplir. Vous, voyez, vous avez une pop-up avec toutes les informations à faire. C'est très cool. Et vous avez un plugin à prendre, et le plugin s'appelle AirNative. Native. Alors, air Native, donc voilà, 24 heures. Euh, ils font les builds. Euh, order the build, enter your mile, login and share with you your detail of application. Une fois qu'on a ça, on se retrouve avec un, euh, bah, tous les éléments ready-made build. Il y a une documentation qui est plutôt intéressante, qui en dit long sur comment on va se, on va se débrouiller. Et il y a aussi le Air Native plugin qui donne accès aux push Notification, à accès à la sélection de photos depuis l'appareil photo, aux vibrations, à la in-app purchase, le Face ID, Native Header Button, le Take Photo, euh, le Native Alert. Le GPS tracking, le offline storage, donc ça c'est plutôt cool. Bon, il y a des choses qui manquent quand même, hein, ce qu'on avait sur The BDK qui était un peu la référence par rapport à ça, notamment des sujets qui peuvent être très très cool comme par exemple, euh... qu'est-ce qu'on qu qu avait qui était intéressant euh... hum... Offline Detection, il y a le offline Detection, je crois que je n'avais pas vu là-dedans. Il y a un autre truc qui est super cool aussi, c'est, euh... je vais vous montrer ça, qui est un peu plus cher pour le coup, ouais 365 dollars, access to bill for the bill before to purchase your app, vous voyez ça, si on peut le tester, c'est plutôt cool, ok. Et il y a aussi la partie où il y a toutes les features, voilà, de vivosation, in-up il y a les links, il y a les euh, deep linking, qui est pas mal du tout. Je crois qu'on l'a toujours, le native pop-up aussi, le custom jet screen, le deep linking, voilà, qui est plutôt très très cool. Des scans QR et barcode aussi, qu'on n'a pas dans les autres. Et il y a pas mal de choses qui sont, je trouve, en plus. Mais voilà, après, ce qui est par contre le game changer, qu'on trouve par rapport à Zero Code, c'est la partie, le rebuild. Le rebuild fee, c'est quelque chose qui vous coûte à chaque fois que euh, vous devez faire une modification. C'est-à-dire à chaque fois on n'a pas toute la modification. C'est par contre du moment qu'on a à faire une modification, quand on veut changer des informations, quand on les, sou, quand on les soumet, comme on veut changer des, des apps d'icônes, effectivement, quand on veut upgrade euh, l'engine, par contre, ça effectivement euh, ça, ça, peut être, ça peut être le coup. Mais bon, voilà. Pour l'instant, ça reste quand même intéressant. Euh, honnêtement, ça reste un peu moins cher si vous le faites par vous-même. Voilà, c'est plutôt à savoir. Après, il y a des petites problématiques qui peuvent être très très chiantes sur le rebuild. Très souvent, c'est que euh, si vous avez des informations à changer, euh, par Apple, euh, normalement ça vous coûte un rebuild, c'est ça qu'il faut faire attention. Patrice Cassard en saurait beaucoup plus, je crois que moi. Je lui demandé une, je fais une demande par rapport à ça. En tout cas, c'est assez intéressant. Euh, C'était le petit tuto d'aujourd'hui, les 15h04. J'avais prévu de m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu et euh, je, ça, je vous le tournerai en vidéo de toute façon avec un vrai application. Je voulais aller en entier, mais j'ai eu quelques problèmes techniques. La prochaine fois, on verra euh, si on continue un petit peu plus. Euh, de toute façon, il va y avoir, je pense, un léger décalage pour la semaine prochaine pour l'émission, qui n'aura pas lieu la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Euh, comme ça, on reprend sur le rythme, parce que je serai à Amsterdam. Bisous tout le monde, euh, j'espère que vous passerez une bonne journée et bon bubble à tous.